Bonjour, c'est Pascal Zivaco. Dans de nombreux tours de Grandes Illusions, la plupart des effets sont réalisés sur une scène. Aujourd'hui, pour la première fois en vidéo sur YouTube, je vais vous recréer une atmosphère d'illusion en magie rapprochée. Approchez-vous au maximum de votre écran, car ce tour de magie va rester longtemps ancré dans vos esprits. Restez bien jusqu'à la fin, car ensuite vous allez vous poser la question suivante. Sommes-nous dans la quatrième dimension? Je vous laisse sur cette réflexion. Bienvenue dans le monde de l'illusion. Nous avons 4 balais qui vont participer tout à l'heure à une exploration temporelle. Pour le moment, je vais les laisser sur le tapis. Le jeu est mélangé par un spectateur. Une prédiction est déposée sur le tapis et ne la quittera jamais. Ah oui, très important, je vous demanderai de la surveiller. Vous serez les gardiens de cette carte mystère. Une carte est choisie par un spectateur, pour l'exemple celle-ci. Une fois ancrée dans votre esprit, celle-ci disparaît dans les fins fonds du jeu. Très important, il faut que le jeu soit bien mélangé. Donc quelques petites coupes supplémentaires, c'est parfait. Rappelez-vous, cette carte a été choisie dans ce jeu. Ici, il y a 4 cartes qui sont les 4 valets. Je vous les remonte, pas d'ambiguïté. Nous allons représenter le jeu par l'espace temporel. Chaque valet, le premier, va passer au-dessus du jeu et instantanément. Première illusion, le 5 de pique. Deuxième valet, au-dessus du jeu, et vous n'allez pas me croire, deuxième 5 de pique. Troisième et quatrième valet, au-dessus du jeu, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le troisième et le quatrième 5 de pique. Bien entendu, une illusion n'est qu'un court instant dans le temps, car lorsque la réalité reprend son cours, le présent n'est que le cliché du commencement. Au fait, avez-vous surveillé la carte mystère depuis le début? Car celle-ci va peut-être vous donner la réponse à vos questions. Magie? Illusion? Paranormal? Tout ce que je peux vous dire, c'est que vos sens ont été manipulés depuis le début, car ici nous avons le 5 de pique, la carte du spectateur. Bienvenue dans la quatrième dimension.